Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons parler un peu de mon Facebook, ma page Facebook, qui pourrait être fermée bientôt aussi. Après YouTube, maintenant c'est Facebook. J'ai reçu un mail comme ça, apparemment on veut me fermer. Donc, on ne veut pas qu'on s'exprime. Voilà, les gens qui défendent la liberté d'expression, liberté de penser. Les gens, ou bien c'est un faux mail, ou bien je ne sais pas, vous savez, ici dehors, tout est possible. Il y a des gens qui peuvent faire des faux mails avec les logos de Facebook. Tout est possible. Voilà, peut-être que c'est pas les responsables qui m'ont envoyé ce mail. Tout est possible. Bon, mais je parle du mail que j'ai reçu. Voilà, bon, mais je dis, peut-être que c'est pas eux-là qui m'ont envoyé ce mail. Parce que nous vivons dans un monde où des gens peuvent fabriquer des logos et vous envoyer un mail pour vous dire, alors que c'est pas... Donc, mais bon, on veut me fermer aussi mon Facebook, comme on a fermé mon YouTube, voilà. Apparemment, je suis très dangereux. Apparemment. Et mes vidéos n'ont même pas 100 vues. Je vous dis, quelqu'un qui est dangereux comme ça, si j'étais dangereux, mais les gens allaient tomber sur mes vidéos. Mais c'est hallucinant. Vous voyez, donc, en fait, pour eux, je suis dangereux, mais il y en a ceux qui sont sur Facebook ne trouvent pas que je suis dangereux. Il y a des gens ici dehors, quand ils font une vidéo sur Facebook, sur YouTube, ils ont 150 000 vues. Ils disent même encore des choses que moi, je me dis, qu'est-ce que je dis que les autres ne disent pas? On me ferme partout. Je vous dis, qu'est-ce que moi je dis? Ah, peut-être parce que je n'ai pas, peut-être que j'ai pas leur nationalité, je ne suis pas dans leur pays. Oui, parce qu'apparemment, peut-être qu'il y a aussi ça, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je veux comprendre. Il n'y a que moi qu'on ferme. J'ai comme impression. Je les dérange. Mes petites réflexions, mes petites analyses, mes vidéos de maths, de physique, de français, de sciences, d'astronomie, ça les dérange. Donc, je suis ici, vraiment. Vous savez, après, quand ils seront fatigués de me fermer, ils vont utiliser un noir pour me porter plainte, pour me jeter en prison. Comme d'habitude, vous voyez, c'est un noir qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Vous le connaissez, il est celui qui l'a envoyé à la CPI. Vous le connaissez? Après, quand ils seront fatigués peut-être de me jeter en prison, d'utiliser des noirs pour me jeter en prison, ils vont utiliser un noir, on appelle ça de l'entrisme, pour peut-être m'éliminer. Ouais, peut-être. Comme on a fait avec Sankara, on a utilisé un noir. Ils se cachent toujours derrière. Voilà, ils sont derrière, mais ils mettent le noir devant. Comme on a fait avec Olympio. Voilà, peut-être. Voilà, peut-être c'est ce qui va arriver. Parce que je ne comprends pas. Nous, on n'a pas le droit de défendre nos pays aussi. On n'a pas le droit. Regardez les Sri Lankais, comme ils ont... Regardez tout ce qui s'est passé au Sri Lanka. Ils ont donné la parole aux Sri Lankais. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur leur président, le Sri Lanka? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Oh, ben, il a fait ceci, il n'a pas fait de... Vous voyez? Mais quand la liberté d'expression retourne contre eux, ils veulent vous fermer. Ah, ils ont montré. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur le Sri Lanka, les manifestants? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de leur président? De ceux qui les gouvernent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais ça, vous voyez, on n'a pas censuré. On n'a pas censuré, on n'a pas fermé ces médias. Parce que la liberté, là, s'adresse aux autres. Mais quand ça retourne vers eux, nous aussi, qu'est-ce que les manifestants ils défendent leur pays? Ils veulent bien vivre dans leur pays, n'est-ce pas? Nous aussi, on ne veut pas bien vivre, on défend nos pays. On n'a pas le droit. Mais vous voyez, ce sont eux qui sont champions pour parler tout le temps. Liberté d'opinion, liberté de presse, liberté d'expression, ce sont eux. Nous, on n'a pas le droit. Leurs spécialistes, leurs journalistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils défendent aussi leur pays. Ils défendent leur pays, n'est-ce pas? Ils vont vous dire, le règlement, tu ne respectes pas le règlement. Le règlement. Mais, d'accord, on ne respecte pas le règlement. Mais qu'est-ce que je fais pareil comme leurs médias? Regardez, si vous suivez leurs médias à longueur de journée, passent tout leur temps à critiquer Poutine, la Russie et la Chine,
l'Iran, la Russie, la Syrie, le Venezuela, ils passent tout. Il n'y a pas une journée quand ils parlent de la Chine, c'est pas en bien. Il n'y a pas une journée quand ils parlent de la. Ils critiquent. Mais vous voyez, quand ce sont leurs. On critique, ils critiquent ces pays, il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas, on n'invoque pas le règlement. Vous voyez, on n'invoque pas. On ne dit pas que tous ces médias sont sur les réseaux sociaux. Vous êtes d'accord avec moi? Tous ces médias-là sont sur les réseaux sociaux et ils critiquent à longueur de journée la Chine, à longueur de journée la Russie, à longueur de journée l'Iran. Et les pays-là ne font jamais rien de bon. Jamais rien de bon. Ils manigancent toujours des choses. Toujours dans leurs médias, ils disent ça, leur plus grand spécialiste dit ça en face. Mais vous voyez, il n'y a pas de règlement. Quand c'est ça, quand c'est eux, il n'y a pas de règlement. Ils ne respectent pas le règlement. Après, ils vont vous dire non, c'est de la diffamation. Tu accuses, tu n'as pas de preuves. Mais qu'est-ce qu'ils font avec la Russie tous les jours? C'est pas avec la Russie tous les. Ils ne mentent pas. Les preuves. Dites-moi, dites-moi. Depuis que la guerre a commencé, depuis que la guerre en Ukraine a commencé, on a comme impression que la Russie ne bombarde pas les militaires, n'est-ce pas? Chaque fois que la Russie envoie un missile, ils disent toujours un hôpital, ceci, cela. Mais ça, ça, c'est pas la vérité. Et, or, la Russie gagne des terrains, n'est-ce pas? La Russie gagne des terrains. Où sont donc ces militaires-là si on ne les tue pas? Si ce sont des civils qu'on tue et on ne tue pas les militaires, la Russie ne peut pas gagner des terrains, n'est-ce pas? C'est simple, c'est de la diffamation. C'est pas la vérité. Parce que celui qu'on accuse de bombarder des civils gagne du terrain. Où sont donc ces militaires-là où sont ces militaires? Enfin, ça veut dire que s'ils tuaient seulement les civils, ils bombardaient seulement les civils, ils ne gagneraient pas des terrains puisque les militaires sont vivants et ils se défendent. Donc vous voyez, c'est. Mais bon, là-bas, on ne parle pas de diffamation. Ouais, on parle pas. Quand nous, on va dire des choses, on va dire c'est de la diffamation. Tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas de preuves. Après, ils viendront vous dire c'est de la haine. On attise la haine. Voilà, ils viendront vous dire on attise la haine envers eux, la haine. Comme si, on a leurs spécialistes dans leurs médias. Vous savez, vous voyez ce qu'ils disent sur la Chine. C'est pas aussi de la haine. Ils n'emmènent pas leur population à voir. Vous voyez, ils savent seulement nous accuser. Alors qu'ils font. Ce sont eux qui ont commencé ça depuis. Ils nous accusent de tout ce qu'ils font. Et mais, leurs spécialistes défendent leur pays. Ils défendent leur. Nous, on n'a pas le droit de défendre nos pays. On n'a pas. Non, on n'a pas. Non, on n'a pas. On doit seulement se taire. Regardez. Si on tue des Congolais, on ferme la bouche, on regarde. Si on tue des Camerounais, on ferme la bouche, on regarde. Maintenant, ils ont trouvé un nouveau leitmotiv, mot de passe, les terroristes. Les terroristes sont partout. Les terroristes déstabilisent des pays, des armées. Et vous avez les plus grandes puissances du monde qui sont sur place, n'arrivent pas. On utilise de. Donc, on ne peut pas comprendre ça, qu'en fait, on se cache derrière ce mot terroriste pour occuper nos pays. Vous voyez, c'est terrible. Vous voyez, leurs intellectuels sont tranquilles chez eux. On ne les, la Russie ne les, ils peuvent dire tout. La Russie ne les a jamais menacés. La Chine ne les a jamais menacés. Jamais. 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 Même avant la guerre, là, par exemple, de l'Ukraine, par exemple, il y avait leur chaîne en Russie. Il y avait leur chaîne en Russie qui critiquait. La Russie n'a jamais, ne les a jamais, jamais. En Chine, il y a leur chaîne. Jamais. On ne menace pas. Vous voyez, quand c'est nous, les intellectuels, nous, on n'a pas le droit. On nous ferme. On nous menace. On va peut-être nous jeter un peu au. Je vous dis, c'est terrible. Donc, eux, ils ont tous les droits. Ils peuvent défendre leur continent. Nous, on n'a pas le droit de défendre nos pays, nos continents. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Je vous dis, ils veulent absolument me casser sur les réseaux sociaux. Me casser. Chaîne principale, j'avais près de 300 000 abonnés. Ils ont cassé. Ils veulent absolument. C'est comme ça, quand vous voyez votre parti politique, ils cassent. Ils l'ont fait avec, lors des indépendances au Cameroun avec l'UPC de Oum Nyobé. On connaît. Ce n'est pas aujourd'hui. On appelle ça de l'entrisme. On prend tes propres frais pour te. C'est comme ça. Qu'est-ce que. Ils veulent absolument me casser sur les réseaux sociaux. Absolument. Mais, et pourtant, ils peuvent me répondre. Si ce que je dis, ils ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour eux les réseaux sociaux. Ils prennent une caméra, ils me disent, tu t'es trompé, si tu as menti, si tu as dit comme ça. On fait comme ça. C'est comme ça. Regardez ce qui s'est passé avec le G7.
Le G7, ils se sont moqués de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a pris sa caméra, il leur a répondu, un à un. David Cameron, patati. Il a même fait l'histoire. Il a dit, il a répondu à David Cameron, il a dit, eh bien, tu ne connais même pas la propre histoire de ton pays. Parce que dans ton propre pays, il y a une première ministre femme, Margaret Thatcher, qui a fait la guerre des Maldives contre l'Argentine. Poutine leur a répondu en face. Ah non, 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 c'est pas David Cameron, c'est Boris Johnson. Bon, le dernier, David Cameron, c'est depuis. Donc, le dernier G7 qui a eu lieu là, au cours duquel il y avait Boris Johnson. Voilà, vous avez vu, Poutine leur a répondu. Il a pris sa caméra en face. Il leur a répondu point par point. Après, il a fermé sa bouche. Point, basta, c'est fini. Basta, point, c'est comme ça qu'on fait. Des gens sincères, des gens honnêtes, c'est comme ça. Voilà. En face, quand ils ne sont pas d'accord avec ce que je dis, qu'ils me répondent en face, qu'ils prennent leur vidéo, ils me disent, ils se filment leur caméra, ils se filment, me disent, tu as dit ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est comme ça, des gens honnêtes, sincères. Les gens qui défendent la liberté, qui défendent la démocratie, c'est ce qu'on fait. Les gens qui défendent le débat public, c'est ce qu'on fait. Tu ne passes pas derrière pour le, tu te caches, tu trouves tous les moyens pour fermer, pour le casser, pour le... Regardez. Mais vous allez voir, ce sont eux qui sont champions pour défendre la liberté à travers le monde. Et ils accusent les autres de ne pas défendre la liberté. Si, ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit. Je suis seul à dire, apparemment j'ai comme impression que je suis seul à dire, je dis des choses spectaculaires que personne ne connaît. Apparemment, j'ai comme impression, hein. Je vous dis, j'ai comme impression que ce que je dis, il n'y a personne d'autre qui dit ça. C'est ce qu'ils veulent me faire croire. J'ai comme impression que je suis seul à dire ces choses. Et pourtant, c'est des choses que tout le monde dit. Tout le monde dit. Tout le monde. Mais moi, bah, ils s'en prennent à moi. Ah, je vous dis, c'est grave. C'est grave. Bientôt, vous allez peut-être entendre que je ne suis plus vivant. Parce qu'après, quand ils seront fatigués de me fermer la bouche, ils vont peut-être me jeter en prison. Bon, après, si la prison ne suffit pas, vous connaissez, on va se retrouver dans le sol. Et bon, dans 60 ans, ils viendront m'acclamer. Dans 60 ans, comme le plus grand intellectuel africain, le plus grand mathématicien africain. C'est que ce qu'ils font, vous voyez les philosophes là, les Paulin Ontondi, Martien Soto, mais ils les acclament aujourd'hui. Alors qu'ils les ont combattus, cher Anta Diop, tout ça, ils l'ont combattu. Aujourd'hui, on les acclame. On fait même des émissions sur lui. Voilà. Bon, voilà un peu. C'est peut-être le sort qui me sera réservé. Rendez-vous dans 30 ans. Quand je ne serai plus là, on va m'acclamer comme le plus grand mathématicien africain, le plus grand intellectuel, le plus grand géostratège, le plus grand géopoliticien africain. Voilà. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.